Les sursauts gamma. Ces phénomènes mystérieux d'une puissance incommensurable, les plus intenses depuis la naissance de l'univers, lors du Big Bang. Rares à l'échelle galactique, ils émettent une énergie colossale, équivalente à plus d'un milliard de milliards de soleils. Leur visibilité au-delà des frontières de notre propre galaxie les rend encore plus fascinants. 2024, lancement de la mission SVOM depuis la base de Xichang, fruit d'une proche collaboration franco-chinoise et dédiée à l'étude approfondie de ces explosions titanesques. Cette mission spatiale unique est équipée de 4 instruments principaux. 2 Français et 2 Chinois embarqués à bord d'un satellite. Grâce à un réseau VHF, l'alliance entre des télescopes terrestres et instruments embarqués offre une vision multispectrale des événements cosmiques observés. Au cœur de la mission SVOM, une sentinelle, l'instrument éclair, qui s'illustre par sa capacité à détecter avec une rapidité phénoménale les sursauts gamma dans les rayons X et gamma de faible énergie, jusqu'à 4 keV. Imaginez un télescope avec un champ de vision très large de 89 degrés par 89 degrés, équipé d'un masque codé sophistiqué, d'un blindage passif robuste et d'un plan de détection refroidi à moins 20 degrés Celsius. Chaque photon qui traverse le masque codé active l'un des 6400 détecteurs en tellure de cadmium, permettant une mesure instantanée de l'heure d'arrivée, de la position exacte de la source émettrice et de son énergie. En relais, le calculateur embarqué d'éclair assume un rôle essentiel en transformant les signaux reçus en une image du ciel dans laquelle est identifiée la source lumineuse à observer et en déclenchant des alertes en temps réel lorsqu'une source inconnue est détectée. Ces alertes sont déterminantes pour orienter précisément le satellite, permettant ainsi des observations ultérieures par les télescopes MXT, VT et terrestres. Chaque année, Éclair est prêt à révéler environ 70 sursauts gamma, soit 2 alertes par semaine. Lorsque l'alerte Éclair retentit, le télescope MXT entre en action pour observer le sursaut gamma dans la région des rayons X mou entre 0,3 keV et 10 keV. Les rayons X sont ensuite révélés par un module optique d'une toute nouvelle technologie, s'inspirant de la vision du homard, baptisé Lobster Eye. Cette optique révolutionnaire est capable de capturer des rayons X sur un champ de vision d'un degré carré dans le ciel. Ainsi collectés, les rayons X sont acheminés vers une caméra compacte, équipée d'un détecteur refroidi à des températures basses, avoisinant les moins 70 degrés Celsius, garantissant une précision sans faille des enregistrements. Un boîtier spécialement conçu assure une protection efficace du détecteur contre les rayonnements cosmiques perturbateurs. Le télescope MXT excelle dans la production d'images et de spectres de sources en rayons X avec une résolution en énergie exceptionnelle de 75 EV à 1,5 keV. Une précision inégalée. MXT définit ensuite une localisation précise des sursauts gamma. Cette étape est essentielle pour la compréhension plus approfondie des phénomènes cosmiques et l'avancée de la recherche en astronomie. Sur une orbite basse, à 625 km d'altitude, SVOM accomplit plus de 15 révolutions autour de la Terre chaque jour. Traquant ces énigmatiques manifestations cosmiques du ciel transitoire. La synergie entre ces instruments est une prouesse technique nécessaire pour percer les secrets des sursauts gamma, illuminant ainsi les confins de l'univers, révélant les mystérieuses fusions d'étoiles à neutrons qui secouent l'espace-temps.